Salut les pintouilleurs! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Pintouille. Nouvelle vidéo questions fréquentes, donc FAQ, pendant laquelle on va parler d'un point très important, d'un point qui revient très 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 souvent, soit avec mes abonnés, soit pendant les soirées peinture, à savoir comment est-ce que tu fais pour lisser tes dégradés? Comment est-ce que tu rattrapes une auréole? Comment est-ce que tu rattrapes une transition qui a un petit peu cacaté? Donc c'est effectivement un point qui est assez délicat quand on se retrouve, enfin quand on pense à avoir la bonne dilution, qu'on pense avoir réussi le dégradé, qu'on se retrouve en plein milieu d'une surface avec un grand trait de pinceau ou avec un grand trait, une auréole parce que la peinture a séché de manière un petit peu bizarre, et ben c'est embêtant. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer trois méthodes pour essayer de gommer ces transitions un peu disgracieuses de manière pas trop trop compliquée. Alors il y aura trois méthodes de niveau un peu différent. Il y aura quelque chose d'assez facile, quelque chose d'un peu intermédiaire et un truc qui est un peu plus ardu, ce qui nécessite de maîtriser la dilution, le tirage et le poussage de peinture. Mais bon, je vais essayer de vous montrer ça de manière assez simple pour que vous puissiez maîtriser ces trois méthodes et les mixer à l'infini. C'est parti! Alors, le cobaye du jour, c'est ce barbare. Alors, mes abonnés Patreon le connaissent déjà, puisque j'ai déjà fait un tuto sur la peau. Vous voyez, c'est une exclusivité, c'est une vidéo exclusive Patreon, donc la peinture de la peau. Donc, d'ailleurs, au passage, oui, pour tous ceux qui me demandent quand est-ce que tu fais un tuto sur la peau, au jour où je poste cette vidéo FAQ, donc il y a déjà ce tuto sur cette peau qui est une exclusivité Patreon et qui est donc disponible tout de suite. Et il y a une autre vidéo que j'ai fait, vous voyez, sur la peinture de ce visage, c'est une autre recette de peau qui est aussi disponible sur le Patreon. Donc il suffit d'aller faire un petit tour. Il y aura d'autres recettes de peau sur YouTube, sur le Patreon. En tout cas, si vous voulez de la peau tout de suite, maintenant, immédiatement, et ben ça se passe sur ma page Patreon Dim69. Donc, alors bon, vous voyez, ça fait flipper là ce que j'ai fait. Hein. Ouh, ça c'est du cacatage, du masterclass cacatage. Donc, j'ai basé mon tissu avec de l'Incubi Darkness. Et vous le voyez, je suis venu faire un éclaircissement au-delà du cradingue avec du Russe Grey. Alors, sur le principe, c'est une bonne idée. Hein. Parce que si jamais on le tire bien comme il faut, le Russe Grey avec l'Incubi Darkness, ça fonctionne très bien, ça vous fera un joli dégradé. Là, j'ai juste fait exprès de poser un gros truc bien cradingue ici pour vous montrer que même les trucs les plus affreux peuvent se rattraper. Alors, la méthode un peu rapide et qui convient uniquement pour les surfaces texturées, c'est la suivante. Donc, vous prenez votre teinte de base, à savoir l'Incubi Darkness. Vous prenez votre couleur d'éclaircissement, donc ici le Russe Grey, c'est ça. Vous faites un mélange intermédiaire que vous voyez ici, pas vraiment dilué, et je le dilue pas trop. Par contre, alors est-ce qu'on voit bien? Là, je vous montre, je décharge bien, bien, bien mon pinceau. Je vais venir par ici, je le mets ici pour une fois. Hop, je charge et je le vide, comme un peu comme si je voulais faire un brossage à sec, mais je m'arrête quand même avant. Et vous voyez, j'ai pris un pinceau avec une pointe qui est vraiment atomisée. C'est un vieux pinceau qui me sert pour les décors normalement. Et ce que je vais faire, je vais venir tapoter avec le mélange intermédiaire sur l'auréole, sur les rebords de l'auréole, donc aux endroits où vraiment j'y suis allé comme un sale. Vous voyez, je tapote. Et vous comprenez donc que cette méthode, elle est simple, mais on ne peut pas la faire de partout. Donc elle conviendra uniquement pour des surfaces qui sont texturées et qui sont abîmées. Hein. Vous ne pourrez pas faire ça sur une jolie peau ou sur un tissu, sur le tissu d'une jolie princesse. Là, ça va bien pour du truc un peu atomisé. Donc, vous voyez, je tapote gentiment et gentiment cette auréole qui était vraiment pas jolie, elle va s'en aller. Cette auréole, cette démarcation qui était vraiment violente, elle se gomme tout de suite. Donc ici, ça commence à être pas mal.
Là, je déborde un petit peu sur mon Rusgrey. Là, je déborde un petit peu. Je tapotouille. Là, on peut encore y aller dans ce creux-là. Et ça peut aussi être une méthode rapide de texturage et d'éclaircie pour vos pitous. Hein. Parce que là, vous mettez une couleur de base, un truc super sale et très clair, et vous venez taper entre les deux. Ça peut être très très rapide si vous avez des surfaces bien texturées. Et si vous avez 40 barbares avec des jupettes un peu cradingues, et ben là, c'est cadeau. Et au final, le résultat sera super contrasté, super texturé. Donc ce sera plutôt sympathique. Bon, vous voyez l'idée, je pourrais peaufiner encore un moment, mais vous avez compris le principe, je pense. Hop là, je peux encore remonter. Voilà. On n'a plus ce truc vraiment crade qui était en plein milieu. On a lissé. Ça a duré quoi? 2 minutes. Et on est content. On va maintenant voir quelque chose d'un peu plus fin quand même qui convient mieux pour les surfaces lisses et surtout pour des surfaces que vous n'avez pas envie d'amocher et de texturer. Alors, la méthode, on va dire un peu intermédiaire, c'est une méthode à base de glacis, toujours les mêmes teintes, donc vous le voyez de l'Incubi Darkness ici. Toujours du Rus Gray pour l'éclaircissement violentissime. Bon, dans la réalité, je me doute que vous faites jamais des trucs aussi vilains que ça. Là, vraiment, j'ai poussé le bouchon un petit peu loin. Mais au moins, ça illustrera bien le propos. Donc, idem, je reprends exactement le même mélange qu'ici. Alors, cette fois, je vais quand même le diluer. Alors, je ne dilue pas tout de suite. Je vais déjà faire un passage, donc avec ce mélange intermédiaire. Ici, donc sur la zone qui vraiment est violente, comme ça. Déjà pour l'atténuer un peu, parce que vraiment là, ça pique à tes yeux. Donc ça, c'est une sorte de glacis, vous le voyez. J'appuie à peine sur mon pinceau pour mettre un peu de peinture. Donc ça vient déjà gommer, hein, on pourrait très bien s'arrêter là, hein, mais je vais quand même essayer d'affiner un petit peu. Voilà, donc déjà là sur le milieu, c'est moins moche. Il en reste encore un peu. Voilà, donc ça, on va dire, on dégage en gros la boulette. Ensuite, on vient affiner, si on le souhaite, en diluant un peu la peinture et en venant replacer quelques glacis plus fins. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, j'ai élargi en fait la zone d'application. Je ne suis pas uniquement sur la transition, je viens en plus passer un peu par là. Donc je viens passer un peu sur la zone d'éclaircissement, je viens passer un peu sur la zone d'ombrage pour lisser mon dégradé. Alors là, le truc c'est que je fais que des passages dans ce sens-là avec mon pinceau, donc évidemment on commence à avoir des traits de pinceau. Donc je vais faire quelques passages aussi perpendiculaires pour gommer les coups de pinceau. Je vais manquer de peinture, c'est l'échec. Hop là, encore un. Vous voyez, c'est vraiment des glacis très légers. Qui permettent de flouter. Et d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Donc là. Pourrait lisser comme ça pendant 15 heures, c'est pas l'idée. Là, déjà, vous voyez le principe. Je peux ensuite affiner encore. Je dilue bien mon Incubi Darkness. Youp. Et je peux très bien venir le retirer, repasser des glacis comme ça.
pour affiner encore. Idem avec mon russe grey, que je peux très bien venir tirer vers le haut. Comme ça. J'en retire un peu, parce que là, je vois un truc qui me plaît pas trop. J'en retire encore. On va dire que pour illustrer le principe et la méthode, on est pas mal. Alors, il reste des petits traits de pinceau, hein, vous voyez, c'est pas du tout parfait, mais par rapport à la boulette XXXL que je vous ai montrée au début, eh ben, je pense qu'on est quand même vachement mieux. Voilà, donc il reste une méthode, vous allez voir, qui est un peu plus délicate à maîtriser, mais qui fonctionne aussi très très bien. Donc, pour ce dernier exemple, j'ai pris cette épée tronçonneuse. Alors, vous avez déjà vu sur le tuto pour le jaune, hop là, recto verso. Bon, du coup, ce côté est un peu plus moche. Je vais vous montrer que ce dont je vous parle là dans ce tuto, ça marche aussi parfaitement bien pour les ombrages, hein. Là, typiquement, c'est comme si j'avais basé ma lame en Sotek Green. J'ai décidé de faire un gros lavis pour ombrer et je me retrouve avec une grosse auréole bien, bien crado là en bord. Bon, pareil, hein, si vous obtenez ça, c'est que vous avez raté votre lavis. Moi, je l'ai fait directement en noir, on n'a jamais des démarcations aussi violentes. En tout cas, moi, j'ai jamais eu aussi violent. Mais bon, je vais vous montrer comment gommer ça. Alors, ça va de nouveau être une méthode avec du glacis plus du lavis. Donc ça va être clairement de la méthode de Glavie. Une fois encore, je vous invite à aller regarder la vidéo sur Glacis, Glavie dilution que j'ai déjà fait. Je vous remettrai le lien en fin de tuto pour que vous puissiez jeter un œil pour que ce soit un peu plus clair. Donc là, la différence avec l'étape intermédiaire, enfin avec la méthode intermédiaire, c'est que je ne vais pas faire de mélange. J'ai mon Sotek Green, j'ai mon noir, basta. Je vais utiliser seulement ces deux-là pour gommer ma bêtise. Alors, on se met en position. Donc là, par contre, ça va être plus dilué encore. Là, je prends mon noir. Vous voyez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Hop, et je décharge bien mon pinceau pour commencer à tirer la peinture comme ça vers le bas. Alors, important aussi, vous voyez. Je suis là, hein. Moi, je suis en bas, vous voyez bien dans quelle position je suis. Quand je fais ce mouvement-là, je tire la peinture. Quand je fais ce mouvement-là, je pousse la peinture. Le référentiel, c'est moi. Soit je pousse, ça va plus loin que moi, soit je tire, ça vient vers moi. Mais évidemment, je retourne la lame. Là, je tire vers moi, là, je pousse vers moi. Donc tirage et poussage, c'est exactement le même coup de pinceau, en fait, il n'y a que la direction qui change. Mais en gros, c'est la même idée. Donc faut pas vous focaliser à essayer de comprendre quand est-ce qu'on tire, quand est-ce qu'on pousse. Ça dépend d'où vous êtes placé. Ça pourrait être un sujet pour Perceval, ça. Ça dépend où on est. Alors, je retourne avec mon noir. Donc je l'applique là en bas, j'en enlève sur mon pinceau et je viens faire un glavis par là-haut. On voit apparaître, vous voyez, le noir par transparence là. On le voit toujours, mais on voit bien encore le bleu parce que c'est vraiment des voiles très légers que je passe. On continue. Voilà. Là, ça commence déjà bien s'atténuer, hein, la transition. Bon, désolé, j'aurais beaucoup soufflé hein, pendant ce tuto. Fermez les yeux, vous aurez l'impression d'être en bord de mer. Demandez à votre chérie de faire la mouette, aux enfants, et vous êtes au top. C'est le tuto vacances. Youp, là. Donc ça commence à bien partir. Et ben allez, on va faire ça aussi dans l'autre sens. Avec le Sotek Green. Que je viens tirer lui vers le haut. Et vous voyez, le noir, je le tirais comme ça.
Le sautèque, je viens le tirer perpendiculairement pour éviter les traits de pinceau. Je décharge bien, parce que là c'est vraiment bien dilué. Hop là, je le tire vers le haut. Et là, on commence à être pas mal du tout. Bon, je vais en prendre un dieu un peu moins dilué. Voyez, c'est un tout petit peu plus délicat que le tuto d'avant, parce que le tuto d'avant, vous aviez une teinte intermédiaire, vous la passez sur la zone intermédiaire et basta. Là, c'est le tuto, on n'a pas envie de s'embêter à faire un mélange intermédiaire, ou on a une toute petite bêtise à effacer, ben, on n'a pas besoin de se faire d'étape intermédiaire. On prend les deux couleurs qui ont cacaté et ça doit marcher. Alors si en faisant ça, vous avez vos teintes qui ont tendance à partir, ça me l'a fait au tout début, c'est que la couche du dessous est pas bien sèche. Vous voyez, là je suis obligé de souffler, je suis obligé d'attendre que les couches soient bien sèches. Donc si votre auréole elle se déplace, elle va à droite, à gauche, ou si vous voyez que ce que vous venez d'appliquer, bah, vous le retirez à chaque passage. Passez un petit coup de sèche-cheveux pour bien fixer la peinture. Et vous devriez plus être embêté. D'ailleurs, je vais faire un petit coup de sèche-cheveux là. Ça fera un instant nostalgie pour ceux qui suivent les tutos depuis le tout début. Un petit rappel de ce que je vous faisais au début. Je suis sûr que ça vous avait manqué. Bon, vous voyez, là, on est bien, hein, la grosse auréole de noir monstrueuse, elle y est plus. Et je vais venir affiner un dernier coup avec du glacis, du lavis très 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 dilué que je tire vers le bas. Histoire d'affiner encore. Bon, comme la méthode précédente, hein, je pourrais y passer 3 heures, mais c'est pas le but. Le but, c'était de vous montrer que tout se rattrape. Donc c'est cool, même si vous faites une belle boulette. Pas de panique, surtout essayez pas de rattraper ça à l'arrache sous le coup de la panique ou de la colère. Posez-vous 2 secondes, faites-vous un mélange intermédiaire ou diluez vos peintures. Mais bon, tout peut se rattraper, vraiment pas de. Ça vaut vraiment pas le coup de paniquer et de s'énerver. Voilà, on va dire que, en tout cas, pour ce tuto explicatif, on est pas mal du tout. Nous voilà au bout de cette petite vidéo. Alors, elle est sûrement pas très longue, hein, je pense à être une vingtaine de minutes après montage, mais elle est importante. Vous avez 3 méthodes. À vous de tester celle qui vous convient le mieux. Alors, soit la méthode je tapote avec une intermédiaire, soit la méthode je fais du glacis intermédiaire, soit la méthode je fais des lavis glacis avec les teintes qui ont cacaté, mais en m'appliquant pour bien tirer, bien pousser comme il faut pour que les transitions un peu cradingues disparaissent. Alors, évidemment, quand je peins, quand je fais mes figurines, je fais jamais une seule de ces méthodes. Très clairement, je vais jongler avec les trois. Je vais faire du glacis, puis faire un lavis, peut-être texturer un peu s'il y a un endroit vraiment cradingue. Il faut mixer les trois. Hein. C'est vraiment des méthodes qui sont complémentaires. Donc, n'hésitez pas à bien tester les trois pour voir celle que vous maîtrisez le plus si vraiment vous voulez juste cacher un truc vilain à l'arrache, mais pour des figurines un peu plus poussées, entraînez-vous à maîtriser les trois et je pense que vous serez vraiment bien pour faire de très 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 jolies figouses. Nous voilà au bout, c'était de nouveau une vidéo en avant-première Patreon. Donc tous mes abonnés l'ont vu plusieurs semaines avant tout le monde, donc je vous remets de nouveau le lien ci-dessous si vous voulez nous rejoindre et voir ce que je propose sur la page. Comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas, prenez quelques petites secondes pour le petit pouce vers le haut, pour le petit commentaire, pour le petit mot sympa.
ces vidéos, c'est vraiment du boulot, donc ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que c'est utile et de voir qu'il y a des retours, qu'il y a des remerciements, c'est vraiment bon pour la motivation. Et ça évite de, eh ben, de se lasser et de plus avoir envie d'en faire, tout simplement. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!